est-ce que tu connais la définition de la folie? Alors ouais, des définitions pour la folie, il y en a énormément, mais je vais te dire celle que moi, je préfère. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, c'est une citation qu'on attribue à Albert Einstein, donc généralement considéré comme un mec intelligent, et moi, je peux pas être plus d'accord. Si on fonctionne comme ça, on peut aller que dans le mur, forcément. Et pourtant, et si je te disais que beaucoup de gens font ce type d'erreur-là, et même Marvel. Ouais, Marvel. Le truc absolument énorme. Donc là, les personnages comme Iron Man, comme Thor, comme Black Widow. Bon, là, je parie que tu imagines bien Scarlett Johansson. C'est pas le sujet de la vidéo, je t'arrête tout de suite. Ouais, je sais, c'est dommage. Ça t'étonne, bouge pas, je te raconte. T'as sûrement entendu parler du film Morbus, sorti il y a pas si longtemps. Un film de vampire, ouais, avec Jared Leto, basé sur le comic du même nom. Le concept, il était quand même plutôt vendeur. Donc bien prometteur, le film était pourtant totalement décevant. Donc les personnages sont pas terribles, les scènes d'action, ça rattrape un peu le film, mais c'est pas fou, l'histoire elle est un peu plate, on s'y attend un peu, vraiment pas un film, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est même pas un film marrant non plus. Le film, c'est un flop commercial pour beaucoup de gens, donc justifié pour beaucoup de spectateurs, dont moi, il faut l'avouer, j'ai été le voir et j'ai vraiment pas apprécié. Pourtant normalement, ça va. Et pourtant, ce film, il a un seul avantage, il fait de très bons mèmes. Forcément, la communauté internet, elle s'est bien éclatée à détourner plein de passages du film et elle a même créé une catchphrase qui a super bien marché, qui a fait un buzz de dingue, « It's Morbing Time », qui pourtant n'est jamais prononcé une seule fois dans le film, donc c'est quand même fort. Et pourtant, ça a fait un buzz pas possible. Et Sony, qui possède les droits du film et qui a eu de meilleures idées, et qui possède aussi toute la franchise des Spider-Man Universe, comme les Venom ou le nouveau Spider-Man, s'est donc dit, naturellement, et si on surfait sur cette popularité ? Forcément, ça marche bien sur Internet. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf qu'ils ont absolument rien changé au film. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le film et le ressortaient. Tout simplement. Donc pour essayer de rentabiliser leur investissement, ils se sont dit, et si on le ressortait dans 1000 salles à travers le monde ? Tu t'en doutes, vu qu'ils ont absolument rien changé, et que je t'ai cité la petite définition de la folie juste avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Deuxième flop commercial. 300 000 dollars de recettes sur 1000 salles. Donc, un petit peu moins, parce qu'il y avait un peu plus de 1000 salles, un petit peu moins de 300 dollars de chiffre d'affaires par salle. C'est ridicule, c'est ridicule. Voilà. Il faut dire qu'à côté de sorties comme Doctor Strange 2, qui est sorti en même temps, ou Top Gun, le nouveau Top Gun, Morbius, il n'avait pas une seule chance, surtout compte tenu de la qualité du film. Mais quand même, ils auraient quand même pu un peu changer leur stratégie, essayer de faire mieux. Donc la morale de cette histoire, si ça ne marche pas la première fois, si tu n'atteins pas ta cible, ne persévère pas, ne continue pas dans cette voie, ne réfléchis, voilà, sans réfléchir. Donc tu te poses, tu analyses la situation, tu comprends les raisons de ton échec, tu adaptes ta stratégie et tu y retournes. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, sache qu'on fait tous potentiellement cette erreur, même les plus grands studios de cinéma. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.